salut les amis, comment allez-vous? C'est Christiane, l'esthéticienne. Ouais, c'est dans les bronzés, c'est parce que j'ai regardé les bronzés cette semaine et cette phrase culte elle m'est restée. Il y a beaucoup de, j'ai regardé beaucoup de films encore et voilà, il y a des petites répliques comme ça que je balance même quand je suis à l'extérieur, histoire de rigoler un petit peu. C'est vrai que c'est avec les classiques qu'on rigole le plus. Et voilà, je vais parler de rétro un petit peu, de classique. On me pose souvent la question, puisque de beaucoup de rentrées depuis 18 mois, ça a été basé essentiellement sur l'audio, donc en CD, vinyle, cassette audio, les appareils évidemment, tout ce qui va avec, la VHS, les films, le Blu-ray, Blu-ray 3D. Il y a 2 ans, je faisais rentrer beaucoup, beaucoup de vidéos laserdisc, donc... J'ai envie de dire que de ce côté-là, je ne suis pas malheureux. Ça représente environ, je ne dois pas être loin, on va dire entre 35 et 40 000 pièces. Voilà, tout confondu. Encore, je ne compte même pas les CD audio, je ne compte pas les albums, mais je parle de vinyle, de cassette audio, de VHS, de DVD, de Blu-ray, de jeux vidéo. Voilà, tout ça compris fait une très très belle collection. Mais voilà, on va aujourd'hui parler, et c'est le titre de la miniature. Est-ce que Yogi 72-72 est encore un joueur, est encore un passionné de jeux vidéo? Donc je vais vous répondre très très facilement. J'ai toujours été fan de jeux vidéo depuis mon enfance. En premier avec les Game & Watch, je vous l'ai déjà dit. Mon premier était Parachute, mon deuxième King Kong. Voilà, j'en ai fait quelques-uns et c'est pas moi qui les... qui les avait. Moi j'avais, tu vois, les jeux électroniques de seconde zone parce que le Game Watch Nintendo était hors de prix pour mes parents. Nous n'étions pas riches, donc voilà. Mais voilà, aujourd'hui je vous présente 2 téléviseurs. Ce petit téléviseur que j'ai montré sur le groupe, n'oubliez pas, il faut jouer, où j'avais branché la Super Nintendo avec Mr. Nuts. Alors je privilégie ce genre d'écran, vous voyez à côté, ça va être du 36-55 cm maximum. Parce que dans mes pièces, donc j'en ai 2, je peux même en créer une 3e, je ne sais pas comment je vais, je ne sais pas encore, mais il y en a 2 sûrs, où il n'y aura que des téléviseurs comme ça, avec des anciennes consoles rétro, qui sont adaptées évidemment à ce genre de téléviseur, donc écran néon cathodique, avec télécommande, si je peux. Mais voilà, celui-là est magnifique, je l'ai eu cette semaine à un client qui me l'a déposé, écran plat, coin carré, voilà, et je suis très content. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, mais voilà, si je pouvais en récupérer, si je pouvais en récupérer que des comme ça, ce serait magnifique. Je sais qu'il y a des écrans après qui sont adaptés vraiment, où tu as une qualité d'image, mais bon, après, je ne vais pas mettre 200, 300 euros pour... un téléviseur, là, tu vois, j'ai ça, je ne le paye pas, je suis très content, et il a une qualité d'image, vous l'avez vu, ceux qui sont à la fois sur le groupe et qui viennent sur la chaîne, le Mr. Nut, c'est juste magnifique. J'ai branché dans la vidéo que vous allez avoir après, puisque j'ai joué, pour vous montrer que j'étais encore un gamer. J'avais branché dessus la Nintendo 64 avec Banjo et Kazooie. L'image est dingue, c'est un truc de fou, vraiment. Ce genre d'appareil, il faut pas, je peux en avoir un très très souvent, c'est parce qu'après je me raisonne, mais j'essaye de vraiment, je vais essayer de garder ceux qui sont, voilà, couleur métal, je vais essayer d'avoir toute une collection comme ça, de la même taille ou un peu plus grande, mais voilà, mais de cette couleur là, parce que là j'ai beaucoup de noirs, mais qui ont une très très belle qualité d'image également, mais après dans l'idéal, au fur et à mesure, c'est de les remplacer et puis d'en faire cadeau. Ou voilà, c'est même pas assez... Oui, j'en ferai cadeau à des gens qui en recherchent. Mais voilà, après moi, ma principale recherche, ce sera ce genre de téléviseur. Donc j'en ai 9 là-haut et je vais brancher sur chaque télé une console plutôt que faire comme avant où j'avais des grands téléviseurs, écran plat, coin carré. J'avais du Samsung, j'avais du Philips, j'avais du LG, du Sony... Mais voilà, c'est intransportable quand tu es tout seul. Et là, je les aurais, j'ai beaucoup, beaucoup mal à ma jambe, les amis. Voilà, tout n'est pas fini avec
ce handicap, cette opération que j'ai eue il y a presque 2 ans maintenant. Donc voilà, impossible pour moi de monter ça là-haut. Ce genre de petit téléviseur, ça va encore. Voilà, c'est pas plus de 10 kilos, donc ça va. Je peux aisément les installer et puis j'installerai une console sur chaque télé. Donc il y aura de la NES, de la SNES, de la Nintendo 64, de la, non pas de la Wii ni de la Wii U, mais Master System, Mega Drive évidemment, Play 1, Play 2 bien sûr, Xbox première génération, voilà, et puis mon vidéo pack aussi, mais qui va aussi très très bien sur, parce qu'il est équipé d'une Péritel et qui va sur mon grand écran là. Donc voilà, même pour le vidéo pack, je suis à l'aise sur, j'ai pas besoin d'un cathodique en fait. Voilà, et puis j'ai récupéré ça aussi, donc c'est mon troisième, donc écran pivotable, donc là, il est en version Yoko, mais je peux le mettre en version tâté sans rien faire, il s'incline d'avant en arrière, et il se baisse, et il monte, c'est mon deuxième. Alors sur la vidéo d'après, où je joue à Raiden sur émulateur, donc en version tâté, avec un super PC que j'ai eu, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir un super PC pour faire tourner cet émulateur qui comprend environ 2500 jeux. Très très bon émulateur, coin Ops. J'en ai deux. J'ai le coin Ops Arcade et j'ai le coin Ops Mini où il y a tous les Game & Watch et tout ça. Et franchement, tu mets Game & Watch, tu te le mets comme ça, tu joues à Raiden et à tous les Shoot'em Up et du Bomb Jack et du Commando. Tu te le mets comme ça, voilà, tu changes juste les paramètres de ton PC. Tu passes de format paysage à format portrait et après tu t'éclates. Donc voilà les amis, c'est les petites rentrées, j'en ai fait d'autres, mais là ça concerne bah, mes autres passions, la VHS, j'en ai eu. J'ai du DVD, j'ai du vinyle, j'ai du CD audio, je vous présenterai ça lors de la prochaine vidéo. Là je vous laisse, ne quittez pas, vous avez vu sur la miniature, c'est parlant, tous les téléviseurs avec, enfin, tous les téléviseurs non, mais 4 téléviseurs sur lesquels je vais jouer à 2 jeux, mais je vais vous présenter tout ça et après, je vais jouer à Raiden sur cette version-là, mais l'autre, celui qui a un écran laqué, qui est très très beau, qui ressemble un petit peu avec le reflet du flipper, tu vois, le back glass, et après, je jouerai donc, voilà, donc Raiden. Et je jouerai sur un écran cathodique à la Mega Drive avec comme sur Raiden. Raiden, j'ai joué avec la manette arcade Xbox 360 Microsoft sur la Street Fighter 4 et je joue à la Mega Drive avec également la borne, le stick arcade et je me suis fait un petit plaisir hier en installant et je me suis fait un gros kiff tout à l'heure voilà pour vous présenter la vidéo et voilà je vais jouer par après enfin juste après j'ai déjà joué évidemment j'ai déjà tout débarrassé évidemment mais voilà mais vous allez voir deux très bons jeux j'ai fait le premier stage j'ai un petit peu débordé sur Hellfire qui est un de mes jeux aussi shoot'em up préférés sur la Mega Drive si vous ne l'avez pas les amis regardez, vous allez voir, c'est un très très bon jeu. Il est très, très addictif et voilà, je pense peut-être faire une petite partie là ces jours prochains. Mais voilà, je suis toujours gamer, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'après, j'ai suffisamment de jeux, mais on en veut tout le temps plus. Après, il y a 2-3 licences que j'attends dans l'année. Et après, bah, la Play 5 peut-être... courant de cette année, certainement, une des deux, en tout cas, des dernières, et certainement la Switch, Switch 2, que j'avais acheté à Coco, la première Switch, mais voilà, là, il a gardé, évidemment, hein, c'était son cadeau de Noël il y a 3 ans maintenant, 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, donc voilà, mais après, il y a tellement de bons jeux qui sortent sur cette console, ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, je vous laisse avec cette présentation, et vous allez voir les images sont folles, j'espère que vous aurez un beau rendu, c'est un peu compliqué de, avec les téléphones d'aujourd'hui d'avoir un beau rendu sans que ça fasse des reflets, mais j'ai fait au mieux pour que vous ayez une belle image et même sur les gameplays vous allez voir, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à regarder ça et
je serais assez pour refaire de temps en temps sur un jeu que vous pouvez choisir ou un jeu que j'aime en particulier, mais de retacter la manette et de voir où j'en suis dans ma façon de jouer et savoir si j'ai pas perdu ces habitudes et cette passion. Non, je l'ai toujours, croyez-moi les amis, c'est une passion qui ne se perd pas. Donc voilà, je vous laisse avec ces deux gameplays, ces présentations, et on se dit à la semaine prochaine. Je vous laisse là, en tout cas, moi je ne reviendrai plus. Je vous parlerai uniquement sur, voilà, sur ces gameplays que j'ai fait, que j'ai pris, sur lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, je vous fais la bise, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, il faut jouer, venez sur le groupe, le lien dans la description. Passez une très très belle semaine, et voilà, je vous fais beaucoup de bises, et puis à bientôt, ciao ciao. Il y aura une vidéo samedi, promis, j'ai reçu mon quatrième volet de Terminator. Je suis un peu fainéant, je fabrique pas là. J'ai fait le premier colis. Je vais le présenter. Je vais faire après chaque samedi. Je suis déjà à la réception de mon quatrième colis. Donc je pense qu'il doit commencer à avoir une belle gueule, je crois. Et après, il y a le cinquième. Et dans le sixième volet, il y a le pistolet laser. Donc voilà. Donc je vais m'attaquer aussi à ces petites vidéos qui viendront uniquement sur la chaîne le samedi. Voilà les amis, donc à samedi et puis après à dimanche pour un nouveau compte-rendu des achats. Passez une belle semaine, prenez soin de vous, prenez soin des gens et n'hésitez pas à dire aux gens que vous les appréciez, que vous les aimez. Et voilà, soyez forts et soyez gamers, collectionneurs, profitez de vos collections, je le dis tout le temps. N'achetez pas pour dire oui, j'ai ça et je vais le claquer là, je ne sais pas où le mettre et jamais l'utiliser. Profitez vraiment, les amis, de vos achats. C'est trop dommage d'acheter et de laisser comme ça sur des étagères juste pour la déco. Je trouve ça un peu bête et dommage, stupide même parfois. C'est se dire, ouais, je l'ai, je l'ai. Oui, mais d'accord, mais il faut avoir et profiter. C'est ça. Avant, on ne pouvait pas avoir et on aurait tellement voulu profiter quand on était petit, mais voilà, il y avait les moyens que les parents n'avaient pas et on aurait tellement voulu avoir. Moi, quand j'ai eu parachute, je l'ai poncé, je crois que j'ai joué 6 mois avec, quoi, et c'était juste un petit jeu électronique. Aujourd'hui, voilà, on a de la multitude, de la quantité, et on ne profite plus de rien. Et c'est bien dommage. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Donc, profitez de vos collections, les amis, jouez, écoutez de la musique, regardez des films, laissez la télé, les informations, c'est que de la merde. Voilà, et puis après, ben, le bon temps qu'on peut passer, il faut le prendre et il faut le prendre maintenant, aujourd'hui, pendant qu'on peut, pendant qu'on a la santé et profiter de nos collections. Voilà, je vous fais la bise, je vous laisse, vous allez passer un bon moment, j'espère. Laissez-moi vos commentaires, je répondrai comme d'habitude. Voilà, la bise les amis, on se dit à samedi prochain pour le Terminator, le montage du premier colis, et puis après, la semaine prochaine, pour un compte-rendu de mes achats. Voilà, bisous, bisous, et puis voilà, j'espère. Laissez-moi des commentaires sur les jeux, comment vous trouvez encore ma façon de jouer pour mes 23 ans et demi. Je joue comme à l'âge de 10 ans, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas vieilli. Voilà, la bise, allez, ciao, ciao, et puis à la semaine prochaine. Bisous les amis. Hello les amis, donc voilà, je joue bien, regardez, j'ai tout branché. Donc ici, je joue sur PC, sur émulateur. Voilà, sur un PC que j'ai récupéré. J'en ai récupéré donc un deuxième hier, mais je joue que sur des petites télés comme ça. Alors j'espère que vous verrez bien. Donc là, c'est un émulateur, donc le coin Ops. Donc là, j'ai mis que les jeux verticaux, puisque mon écran est en tâté. Je joue sur ma manette arcade, la Street Fighter 4 de la Xbox 360 qui va sur les PC. Ici un petit Mister Nuts avec la console que j'ai depuis, oula, je sais plus dire, mais elle avait été customisée Mario Kart avec la manette. J'ai les deux manettes et là le Mister Nuts. Ici j'ai branché la Nintendo 64, donc avec le banjo et Kazooie. Donc j'espère que vous aurez pas trop trop de défauts. On sait très bien que quand on montre comme ça du néon cathodique, certaines télés... Il y a de défauts d'image évidemment. Et là, j'ai branché la Mega Drive avec sa manette arcade également. Et mon jeu préféré, Hellfire. Et vous voyez ici toutes les VHS. Donc là, Sega, la numéro 1.
la Nintendo 64. J'ai aussi, voilà, j'ai mis le logo, mais j'ai aussi la cassette Super Nintendo. Donc, ce que je vais faire une petite partie du Raiden, le premier stage. Je peux aussi mettre ici les overlays sur cet émulateur. Et je vais vous faire aussi un petit Hellfire premier stage. Voilà, comme ça vous allez voir si j'ai perdu la main ou pas. Mais cet écran, c'est celui-là que j'ai rentré cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Mais il est d'excellente qualité. Voilà, écran plat, coin carré. Thomson avec la télécommande que j'ai récupérée, mais très très content. Voilà, donc on va se faire une petite partie, les amis, et puis on se retrouvera tout de suite après. Donc il y a pour 10 minutes de game. Voilà, donc sur le Raiden là-bas et sur le Hellfire ici. Voilà, allez, à tout de suite, on va jouer. Bon, allez, les amis, c'est parti, on y va. On va s'essayer ce Raiden. Bon, j'y joue de temps en temps. J'étais un grand fan quand il était sorti en arcade. J'habitais le Nord à l'époque et je jouais au café qui s'appelait le Brouteux. On va prendre le bleu, ce laser là. Parce que même quand il tire sur un ennemi, le laser continue à tirer par derrière. L'arme est assez puissante. Elle est pas très large. Mais sur le deuxième stage, il faut prendre le tir rouge qui te quadrille vraiment tout l'écran. Bon, je vais faire gaffe là parce que ça tire pas mal. Je suis en mode difficile. Ouais, autrement, ça n'a pas d'intérêt quand tu connais bien le jeu. On va essayer d'aller jusqu'au premier stage sans décéder. Putain, ça tire grave, hein, putain. Il est sorti sur beaucoup de consoles. Il y a des degrés de difficulté suivant certaines consoles. Putain, ça canarde là, mais truc de ouf. Bon, des fois, faut pas trop attendre. Oups, allez, donne-moi le bleu. Putain, trop tard. Là, ça va tirer sec. Merde, le petit truc Nintendo est tombé. Allez, le bleu. Voilà, on est bon. Double tir. Là, c'est une bombe. Donc, je joue évidemment avec la manette arcade de la 360. Qui est compatible sur PC, évidemment, c'est Microsoft. Voilà, faut faire gaffe parce qu'ils arrivent comme des traîtres par derrière, tu les attends pas. Même quand tu es sur le boss. Allez, hop. Il va déjà en avoir un là, on va essayer de faire le maximum. Il y en a un qui arrive là, hop. Allez, celui-là maintenant. Donc là, pareil, il fait le même système. Il faut passer entre les balles. Et voilà comment on fait. C'est pas moi le meilleur, je l'ai dit. J'étais encore un gamer. Bon, voilà les amis, sur ce Raiden. Le stage 1 est fait sans décéder. On n'a même pas utilisé une bombe. Putain, je suis encore bon, hein. Ouais, je vais utiliser une bombe pour rigoler. Bon, je vais pas faire tout le stage 2, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, sur ce stage, le changement d'arme est intéressant. Parce que là, il y en a de tous les côtés. On va prendre le rouge, du coup. Là, vous allez voir, ça quadrille très, très bien tout l'écran. Bon, on n'est pas encore en full arme, mais... Croyez-moi, c'est très intéressant d'avoir cette arme-là ici. Par contre, elle est moins puissante. Vous voyez, il faut tirer vraiment... Bon, c'est un shoot en même temps.
Putain, j'ai encore des bons réflexes. Hein. Allez, hop, on va le chercher, on s'en fout. Hop. On va rester sur le M. C'est domicile. Oups, t'as vu comment on fait? On vient de me dire que je suis plus un gamer. Hop. Et eux, faut les tirer tout de suite. Parce qu'en fait, ils reviennent après par derrière dans ce stage. Allez, hop, on va se faire un petit... On est presque full, là. Ben voilà, là, si tu les tues pas, ceux-là, ils reviennent par derrière. Et évidemment, tu décèdes. On a gagné une petite vie. Allez, vite. Voilà, c'est toute ma jeunesse, ça. Enfin, franchement. Évidemment, j'allais mourir, je le savais. Mais bon, voilà, les amis. Un petit mode Raiden, tranquille. On va, je vous propose de passer sur le Hellfire maintenant sur Mega Drive. Pareil, même système. J'espère que vous aurez une belle vue. Parce que là, on va jouer sur un cathodique. Voilà, tout de suite. Bon, voilà, les amis. Allez, on va s'allumer cette petite Mega Drive pour jouer à Hellfire. Donc, je vais rien changer. Vous avez les options, mais voilà, il n'y a que deux modes, easy ou hard. Il y a 3 vies, 4 vies, je vais rester à 3 vies. Je ne vais pas mettre le tir automatique puisque je l'ai avec la console, enfin avec la manette arcade que j'ai ici. Et on va se démarrer donc ce Hellfire que j'adore. Il y a 4 tirs possibles plus la bombe. Alors, tir devant, tir derrière, tir sur la hauteur et en bas, et le tir diagonal, celui que j'affectionne particulièrement. Voilà. Hop. Je vais enlever ça parce que je vais être en galère autrement. Bon, ma manette grasse un peu, je vais mettre un petit peu... Donc voilà, dégraisser un peu, il y a longtemps qu'elle n'a pas été. Heureusement, j'en ai quelques-unes de ce style-là. Manette arcade, Mega Drive. Vous voyez le jeu magnifique. Le B, c'est des bonus. On ramasse du speed. Il ne faut pas trop en prendre parce qu'après, le vaisseau est ingérable. Et là, je viens de ramasser une bombe. Donc les bombes sont là. Tes vies sont là. Hop, allez. Hop, on va prendre du pêche. Je vais encore prendre un petit speed. Faire attention de rien toucher, autrement tu meurs. Ça, on va le prendre. C'est une tête chercheuse. On va attendre. Hop. Là, je prends plus de speed, ça sert à rien. Je vais prendre le petit power. On n'est pas encore en full power. Donc, il y a un sous-boss et un boss pour arriver au niveau 2. Petite protection. Si tu te touches... Si tu te fais toucher, voilà, par un petit tir, bah, tu perds que ton armure, mais tu perds pas ta vie. Donc en shoot'em up sur la Mega Drive, c'est un de mes préférés. Hein. Hop, on va prendre le bonus. La BO magnifique aussi, l'OST.
J'ai jamais compris qu'il n'avait pas sorti. Petit OST, ça aurait été sympa sur ce jeu. Les niveaux sont. Il y a une musique différente à chaque fois. Tu vois, j'ai perdu mon armure, mais bon, c'est pas très grave. On arrive au sous-boss. Donc il y a les trois côtés, c'est fait, et après il nous restera derrière. Donc faire attention parce que là, il faut essayer de l'emmener devant, et après bah, tu essayes de le charcuter. Hein. Mais là, il est trop à l'arrière, il faut vraiment attendre qu'il aille devant, et là tu peux t'amuser. Ah, si je fais ça, je prends des risques. Allez, viens devant. Voilà. Ça devrait bientôt être la fin. Voilà, c'est fait. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis, faut pas trop prendre de speed. C'est beaucoup pour des niveaux comme celui-ci. Donc là, on est en full bonus, c'est 10 000 à chaque fois. Donc à 80 000, normalement, tu récupères une vie. Tu vois, ce qui te protège, là, quand il y a un tir qui arrive sur toi, elle le prend en compte, elle le détruit, et donc ça t'aide pas mal, finalement. Voilà, la petite vie, c'est à 70 000, pardon. Vous avez entendu le petit bruit. Ça, c'est quand tu connais le jeu, tu peux te permettre de faire des petites. Des petites prises de risque comme ça. Voilà, on est bien pour l'instant. On va arriver tout doucement vers le boss. Donc voilà. On va essayer de faire le ménage. Il nous reste un côté. On va attendre que ça descende un peu. Ce sera plus facile. Oula, c'est long. Faut pas que ce soit trop long de le tuer. Parce qu'autrement, après, il tire. Voilà, et là, on est sur la boule. On va essayer de pas se faire écraser. Et ben voilà, c'est fait. Tout ceci en une vie. Donc voilà, mais bon, j'arrive, je pense, au 5e, 6e niveau, encore avec tous mes crédits. J'ai de la bombe à fond. Donc là, on est un petit peu dans un stage qui fait penser à tout en carton. Un petit stage qui fait penser, voilà, à l'Égypte. Ce jeu est vraiment magnifique. Hein. C'est, regardez encore une fois cette bande-son. Bon, moi je connais le jeu, alors là ça va arriver derrière, de mémoire. Hop. On va avoir une petite galère sur le devant maintenant. Pas encore là. Si, 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 c'est là. C'est pas encore là, mais on y arrive, c'est juste après. Voilà, c'est bon. On récupère une bombe. On va essayer d'utiliser. Alors ici, le truc, faut vraiment les tuer. Parce qu'autrement, ça tire, mais... Et après, tu t'en sors pas. Et après, il y a des doublons. Donc, faut faire très, très attention.
stage très très difficile quand tu n'es pas armé en fait. Voilà, tu vois. Voilà, on sort de ce truc. Et après, c'est des sarcophages mouvants. Je vais me remettre sur le tir favori. Ah, même pas encore. Il y a ça. Ça aussi, c'est un petit peu complexe. Parce qu'après, ils arrivent doucement, là. Mais après, ça arrive de tous les côtés. Donc, quand tu es mal armé, c'est compliqué. Bon, après, tu danses, hein, tu danses autour d'eux. Là, ça va arriver, il va y avoir un moment d'accalmie. Et après, voilà, c'est ici, ils arrivent de tous les côtés. Voilà, ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est, voilà, un petit peu difficile. Là, il va y avoir de la difficulté. Encore une bombe. Ça, pour le boss, c'est bien, même si je ne l'utilise pas tout le temps. Pas prendre de speed ici, hein, trop dangereux. Là, il faut avoir les têtes. C'est du bonus. Voilà, ici, il va falloir trouver un passage. Hop, sans mourir. On va essayer de prendre le bonus. Et on va essayer d'avoir la tête de la madame. Voilà. Et là, on peut y aller. Hop, je vais essayer de les prendre. 10 000, 10 000. On revient sur notre tir de base. Faire attention en haut, en bas. Parce que tu les vois pas arriver, mais ils te bombardent. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est 3 tirs à chaque fois. Puis t'as eux. Donc, c'est un coup en haut, un coup en bas, hein, qu'ils arrivent. Donc là, le prochain, donc il y a ça. Le prochain va être en haut. T'en as un en bas. En haut. Un en bas. En haut. On a regagné une vie. Hop. Donc quand celui d'en bas n'est plus là, encore une bombe. Donc ici, c'est très très compliqué. C'est pour ça que je vous dis, les amis, ne pas prendre trop de speed, parce que c'est souvent là où tu te fais défoncer. C'est juste avant le boss. Moi, j'étais obligé de prendre un speed. C'était ça où je mourais. Mais bon, c'est pas très très grave. Et pas t'éclater contre les... t'as détruit les têtes, mais si tu les touches, tu meurs. Donc voilà, et on va arriver tout doucement au boss, voilà, qui est dans le sarcophage. Donc, il y a un petit truc, c'est de rester à ras, et tu dois bouger juste 2 fois. Voilà, hop, putain, c'est chiant. J'aurais dû bouger, me mettre là en dessous. Mais bon, je vais pas vous faire tout le jeu, mais voilà quoi. Un petit peu à quoi... ressemble à Hellfire, très très bon jeu. Voilà les amis, bon allez, on se laisse là. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vais continuer à jouer un tout petit peu. Tu vois, je vous parle et je joue peinard. C'est pas que je pourrais jouer les yeux fermés, mais presque. Bon là, je suis très très mal armé. Je vais essayer d'utiliser... on va essayer de le passer. Et après, je vous laisse tranquille. Donc, on va se mettre là, ici, au niveau de la boule. Parce que c'est ça qu'il faut dégommer et éviter les branles. Donc, voilà, là, hop. C'est avec ça que tu dois jongler, en fait. Hein. C'est pas très, très compliqué.
Après, elle se re... voilà, bon, c'est mort. Toi, c'est un jeu, c'est vraiment très très amusant. Et au plus tu avances, évidemment, tu vois, on a encore 5 vies, 5 bombes. C'est un excellent jeu que je ne peux que vous conseiller. Ah, celui-là aussi, magnifique. Ouais, mais en fait, tout le jeu est bon. Hein. Il n'y a rien à dire. Je pourrais vous faire le jeu presque complet. C'est 7 stages, je pense. Mais voilà, celui-ci, t'as moyen de te... Par contre, le boss est super chaud. Et l'avant-boss est super chaud. Très, très dur. Donc, vous voyez, on revient à la case départ. Hein, en tir, en bonus. Oh là là, quel souvenir, ce jeu. Je vais pas prendre de speed. On va juste prendre le power. Et le bonus. Ça, je vais aller le chercher. Ça va être important. On va attendre un peu de passer. Là, on va utiliser... Voilà, t'es obligé ici. Franchement, c'est chiant, mais t'imagines pas. Voilà, c'est le boss. Putain, c'est le sous-boss. Après, t'as des gros ballons qu'il faut dégager. C'est vraiment un super jeu. Hein. Je peux que vous le conseiller. Et après, t'as eux aussi. Putain, ils sont chiants. Je vais changer d'arme, du coup. On reprend des bombes. Je game encore bien, quand même. Pour ceux qui se posaient la question. Alors oui, je joue encore. Beaucoup moins qu'avant. C'est clair, mais on a tout le temps cet instinct de gamer en nous. Surtout sur le rétro. Les jeux qui nous ont marqués. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup de souvenirs. Les parties dans la chambre avec les potes. Voilà, il me reste que 2 bombes, ça va être un peu compliqué. J'ai un peu trop cramé les autres sur... Donc je récupère une bombe ici. Speed, c'est bon. Alors aussi, ça c'est la merde. Parce qu'au plus t'avances, au plus il se rapproche. Et quand t'es pas bien armé... Il t'arrive dessus. Donc voilà, ici, c'est là que c'est chaud. Franchement, je vous le dis. Là, tu dois jouer, mais... toi, t'en as 3 comme ça. Et ça tire, mais franchement... Quand t'arrives à avoir sans mourir... Ah, il en a déjà un de mort. Merde, j'ai perdu. Bon, tu vois, après, bon, il faut être dans le jeu, vraiment. Mais voilà, magnifique jeu. On se laisse là, les amis. Je vous dis à bientôt. Merci d'être passé. Dites-moi si ce genre de petite vidéo vous fait plaisir. Et on se refera, voilà, quand tout sera installé. Parce que je récupère la télé ici, écran plat coin carré. Que j'ai eu un client, en fait, il allait à la déchetterie. Je vais baisser un petit peu le son. Il allait à la déchetterie, m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit évidemment oui. Donc l'intérêt pour moi, c'est de récupérer plein de petits téléviseurs comme ça, où je vais pouvoir pas brancher sur une grande 4-5 consoles. C'est que chaque télé ait sa console, et voilà, tu mets une Play 1, une Play 2, tu mets une Xbox première génération, tu mets le Vidéopack, tu mets une SNES, tu mets une NES,
une Master System, enfin voilà, je ne vais pas tout vous faire le défilé, mais voilà, ce sera installé comme ça dans la salle de jeu, c'est déjà en cours. Mais voilà, mais merci d'être passé, dites-moi si des petits gameplays comme ça vous plaira, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'écran tâté là-bas, qui se met en tâté ou en Yoko, suivant le jeu que vous faites, mais franchement, et l'émulateur est de, c'est, si vous voulez chercher, c'est Coin Ops, il y a aussi Coin Ops Mini, où il y a bah, tous les Game & Watch et tout qu'on a connu, mais les vrais, hein, c'est vraiment, c'est très très bien fait. Donc voilà les amis, et puis après toutes ces petites cassettes, j'ai oublié la Nintendo, la Super Nintendo que j'ai là-haut dans le Vidéo Club, je l'ai vue cette semaine en rangeant un peu. Mais voilà, je vous fais la bise, merci d'être passé, et puis on se dit à la semaine prochaine. Il y aura une vidéo samedi sur le Terminator, je vous promets, j'ai reçu le quatrième colis, là, j'ai encore pas touché, j'ai fait que le premier, c'est pas bien. Mais voilà, mais on se retrouve samedi après dimanche. Voilà, je vous fais la bise, on se dit à bientôt, ciao, ciao. Salut!